Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en fleurs. Aujourd'hui, je vous montre tout ce que j'ai réalisé avec mes fleurs séchées que je vous ai montrées il y a quelques jours. Donc voici la première idée. Donc ce sont, comme vous pouvez le voir, des marque-pages de différentes tailles, puisque fonction des fleurs, eh bien, il y avait des fleurs donc toutes petites qui se prêtaient pour les petits marque-pages, et puis des fleurs comme celle-ci qui étaient évidemment plus pour des grands marque-pages. Mais après, évidemment, on fait ce qu'on veut et de la taille qu'on veut. Donc je vous les présente rapidement. Donc celui-ci, j'ai utilisé deux œillets avec deux rubans que j'ai reliés donc ici. Alors je n'ai pas évidemment de livre, je suis très mal organisée. Attendez, ne bougez pas. Alors évidemment, qui dit marque-page dit livre. Donc je vous montre à l'intérieur. Donc vous avez vu ici deux œillets, le ruban donc qui est retenu donc par ici, en fait tout simplement parce qu'il n'y a que cette partie qui va dépasser, qui va vous marquer votre page en fait. Voici par exemple, hop, on l'insère complètement et il n'y a que le ruban qui ressort ici. Alors évidemment j'aurais pu le mettre un petit peu plus loin, mais comme j'aurais pu aussi le mettre plus court si j'avais souhaité, mais bon là ça n'a aucun intérêt. Je pense que ce qui est bien c'est d'avoir que le ruban qui sort. Donc voilà ce que ça donne. J'ai pris évidemment un gros bouquin, mais c'est le seul que j'avais sous la main dans mon atelier. Donc celui-ci, donc deux œillets avec deux rubans que j'ai réunis. Nous avons donc des fleurs d'agapanthe séchées. Donc c'est ce que je vous ai montré donc dans la précédente récolte. J'ai fait plusieurs récoltes, mais dans chaque séchage, pardon, j'ai fait de la fleur d'agapanthe parce que je trouve que le résultat est assez sympa et puis les couleurs sont jolies. Alors une petite précision, c'est évidemment recto verso puisque chaque fleur vous permet d'avoir l'utilisation dans les deux sens. Et c'est pour ça que je trouvais que cette transparence était très importante et très sympa. Et donc j'ai voulu garder cette transparence et je n'ai pas voulu mettre, on va dire, à l'intérieur une feuille ou quelque chose. Je voulais vraiment qu'on ait le marque-page donc sur les deux côtés. Je vous montre tout, puis après je vous explique comment j'ai réalisé tout ça. Vous verrez, c'est ultra simple. Donc voici, là nous avons une feuille de violette. Ici nous avons une fleur qui s'appelle un osteospermum. Ici nous avons des fleurs d'hortensia et une feuille d'hibiscus. Et encore une fois, dans un sens ou dans l'autre, il n'y a aucun problème. Ensuite on continue là. Alors je vais vous les montrer côte à côte. Pourquoi? Parce que nous avons les mêmes fleurs qui ne sont pas de la même couleur, mais quasiment les mêmes fleurs. Donc ici j'ai de l'hibiscus, idem pour ici. Ici nous avons des fleurs d'hortensia, idem pour ici. Alors ce ne sont évidemment pas les mêmes hortensias. Et au centre ici, pour celui-ci, j'ai rajouté une fleur de laurier blanc. Je vous les montre dans l'autre sens. Voilà, donc vous voyez, j'aime bien les hortensias parce qu'on a toujours une face avec une couleur et des nervures différentes. Mais là, on est sur l'envers, donc on voit toutes les nervures qui sont violettes pour celle-ci. Et je trouve ça vraiment très joli. On continue. Donc, celui-ci, il a été fait avec des violettes. Violettes ici et des feuilles de violettes. Je ne vous les ai pas montrées dans la précédente vidéo, les fleurs de violettes, puisque je les ai fait sécher cet hiver. Par contre, je vous ai montré ce que j'ai réalisé avec pour la fête des mères. J'avais réalisé un cadre pour ma maman, donc avec des fleurs séchées. Donc, vous voyez, vraiment, toutes les fleurs s'y prêtent. Là, évidemment, je n'ai fait que des fleurs d'été, mais j'essaierai de faire avec des fleurs d'hiver, parce que je pense que ça peut être sympa, tout ce qui est pensée, prime vert, etc., etc., etc. Donc, voici pour celui-ci. Donc, toujours un œillet, toujours un ruban. Je ne vous ai pas parlé du ruban, mais je pense que vous le voyez. Ensuite, ah oui, je ne vous ai pas montré le recto. Donc, recto, verso, rien ne change. Ici, nous avons encore des fleurs d'agapanthe. Voici. Alors, l'agapanthe, pour celles qui se posent la question, en fait, c'est une grosse boule, un petit peu comme l'hortensia, mais qui fait de très grandes corolles. Donc, évidemment, qui ont cette taille et qui s'ouvre. Et donc, cette fleur est composée de plusieurs dizaines de ces fleurs-là. Et du coup, voilà, je vous les montre comme ça. Et du coup, donc, évidemment, j'ai prélevé les fleurs à l'unité, puisque sécher une boule entière, ça n'est pas possible. Et puis, ce ne serait même pas joli, d'ailleurs. Ensuite, là, ce sont des pétales de rose. Alors, les pétales de rose séchées toutes seules, c'est pas très joli. Ça perd un petit peu de sa couleur.
Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Finalement, c'est bien en pot pourri. Cela dit, j'en avais, donc je les ai évidemment utilisés. J'ai essayé de former donc quelques fleurs avec un pétale donc plus foncé au centre. Et voilà, même chose pour l'arrière, sauf que là, le pétale est clair. Mais comme ça vous permet également de l'utiliser toujours dans les deux sens. Et là, nous avons un ruban en biton, pardon. Et celui-ci donc que j'ai gardé pour la fin, c'est exactement le même principe hein, que pour les autres. Ici donc uniquement des fleurs d'hortensia de différentes variétés. Et puis j'ai tout autour percé avec mon outil de reliure que j'ai utilisé avec vous dernièrement, donc que j'ai acheté chez We Are Memory Keepers et qui donc sert à faire du perçage pour des reliures. Et donc du coup, eh bien, j'ai brodé tout le tour. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, on a deux cotons, un coton qui est pêche et un coton blanc. Et donc, un sur deux, vous avez un blanc et un pêche. Je vous montre d'un peu plus près, pardon. Voilà, je ne sais pas si vous voyez le biton. Donc, voici pour mes marque-pages. Alors, pour la réalisation, eh bien... Ah, désolé, ma règle est tombée depuis le temps que je tape dedans. Alors, pour cette réalisation, eh bien, c'est très simple. Il vous faut donc du papier à plastifieuse, hein, donc comme ceci. Alors, en fait, vous positionnez, zut, je l'ai sali, vous positionnez évidemment vos fleurs à l'intérieur. Vous le passez dans la machine bien chaude. Je vous invite, quand vous travaillez avec des morceaux de papier comme ceci, à en fait passer pour que, en fait, si vous voulez, ça ne s'enroule pas dans le rouleau de la machine parce que c'est déjà arrivé. En fait, vous le mettez, donc une fois que vous avez mis vos fleurs, vous le mettez directement dans une feuille de papier blanc et vous passez à la plastifieuse. Comme ça, on est sûr qu'ici, ça ne va pas se décoller. Les bords sont bien protégés dans cette feuille de papier et vous le passez. Alors, je les ai passés donc toujours deux fois. Et ensuite, une fois que c'était bien passé, j'ai... Donc cette partie qui normalement doit être semi-rigide, un petit peu comme celle-ci, je l'ai reprise et je l'ai remise encore, je vous montre, hop, dans un sandwich de nouvelles séries de feuilles de plastifieuse. Et ensuite j'ai replastifié, ce qui me permet d'avoir un marque-page beaucoup plus rigide. Sinon ce serait beaucoup trop souple, trop mou et aucune tenue, ce ne serait pas joli. Donc voici comment j'ai procédé. Alors je vous montre pas parce que ça va m'obliger à sortir la plastifieuse et puis franchement ça n'a rien de compliqué. Je pense que tout le monde peut réaliser ceci, mais encore une fois je vous invite à vraiment respecter donc cette feuille de papier pour que ça ne pour pas que ça ne coince dans votre plastifieuse et puis de le passer deux fois pour avoir une texture, enfin dans deux feuilles plastique, pardon, pour que vous ayez une texture un petit peu plus rigide. Voilà pour cette première série de marque-pages. Dans la prochaine vidéo, je vous en remontrerai d'autres dans un autre style. Et bien, en attendant tout ça, je vous dis à très vite. Bye!